On vous retrouve pour une nouvelle vidéo What's in my box, version my God. Un petit peu creepy. On a demandé à deux personnes de notre entourage de sélectionner des objets assez effrayants, que ce soit des gueux à toucher ou peut-être des insectes. J'en ai aucune idée. Donc là c'est bien pour vous, vous avez le visu de la boîte. Comme vous le voyez, nous on est devant ça, on a des petites entrées ici. Ouais, pour mettre nos mains. Pour découvrir ici, voilà. Nous en fait on ne voit pas les objets qui sont dans le carton. C'est tout l'intérêt. Ouais. Donc voilà. C'est parti. On a les yeux fermés, c'est bon. Je suis très stressée. Je me sens déjà pas bien, ça y est. Je les connais, ils vont nous mettre des trucs de fou. Non. Je vous précise juste. Attends, je vais écouter. Je vais sentir. C'est bon. Est-ce qu'on peut ouvrir les yeux? 1. Oh mon dieu. Est-ce qu'on les voit en même temps? Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire en même temps, non, attends. J'ai peur. Vas-y. Je vous précise juste qu'à la base on avait demandé pas d'animaux au cas où. Et finalement je me suis dit... En fait on a rien dit du tout, nous aussi on choisit hein. Moi je sais pas, à la fin j'ai eu une hésitation, je dis ah il faudrait peut-être un challenge, mais j'ai un peu peur quand même. J'ai vraiment peur de mettre... Putain, si je mets ma main et que je touche un truc vraiment dégueulasse. On sent pas bien. J'aime pas le fait qu'on voit pas, c'est une horreur. Mais en fait... Et pourquoi on fait ça? Attends, on dit... Attends. Ah non, c'est vraiment stressant comme situation. C'est très stressant. J'aime pas du tout la comédie. Ça bouge pas là déjà? Non, ok. T'es où? Non, ouais, c'est moi. Exactement. Ah, attends. J'ai pas, c'est gluant. Ah, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas vrai. C'est gluant. Ah, ah non. Au moins c'est pas un animal. Ah, on sait c'est quoi. Ah, 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 ah non. C'est pas un animal, je l'ai sur les doigts, mon dieu. Non, sur les doigts. Ça bouge pas, on est d'accord? Non, je crois pas. Oh my god. Eh, c'est quoi? Oh my god. C'est des bonbons? C'est des bouches chinoises. Ah oui, c'est des nouilles chinoises, je confirme. Hey. Ah, c'est dégueulasse. Bon, moi, ils ont pas mis de la sauce soja avec ça. Ça a été sympa. J'avoue que c'était cool. Vas-y, maintenant, les mains qui collent, en fait. C'est dégueulasse. Non. Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on a des serviettes, au moins, pour se laver les mains, après? Ouais. Il y a des tripes, regarde. Il faudrait le bruitage, là, tu sais. Ah, c'est un bon repas de tripes. Ok, c'est bon, c'est encore pire, j'aurais jamais dû vous écouter. Ah. Est-ce qu'on peut avoir de quoi se laver les mains ou pas? C'est absurde. Ah oh, la lumière. Ah, c'était dégoûtant. C'était dégoûtant, ouais. J'avais l'impression de mettre mes mains dans une... Oh, j'avais peur que ça soit... Trip. Moi, j'avais peur que ça soit vraiment des bêtes, hein, des asticots, là, les verts. Hein. Ouais. J'avais peur quand j'ai touché que c'était gluant, genre, mon dieu. Je me suis dit, imagine, ils sont allés au parc, ils ont cherché des asticots. Oh, les verres de terre. On vous prend juste 5 minutes, on vous remet après. Dégueulasse. Oh non, arrêtez, pitié. On va faire une crise d'épilepsie dans une demi-heure. C'est parti. 3, 2, 1. Ça a pas fait un bruit bizarre quand il l'a posé là? Ouais. J'ai l'impression d'entendre. C'est bon? On peut ouvrir les yeux? Oui, vous pouvez. Attends. Ça bouge pas, hein, je crois. Ah, la lumière. La lumière! T'es prête? Ah, j'ai peur. Si ça bouge pas, ça va en fait. Si maintenant on met nos mains dans un truc dégueulasse, on vient déjà de mettre nos mains dans une plâtrée de pâte dégueulasse style trip, donc je sais pas ce qu'on peut avoir de pire, mais ça a pas l'air de bouger en tout. Non, ça bouge pas. C'est parti. Mais c'est solide! C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais... C'est une huître! C'est une mouche! Hey, y'a un truc mouillé au milieu, Amandine! C'est des coquillages!
Ah, il y a un truc humide au milieu. Oh. C'était sûr, c'est pas des yeux. C'est quoi? C'est quoi, Julia? Mais qu'est-ce que c'est? Je touche pas, c'est mouillé, moi. Ah, quoi? Je sais pas. Quoi? Il y a une matière visqueuse. Ah, c'est quoi? Il y a de matière visqueuse dessus, normalement. Alors pourquoi c'est visqueux? Je sais pas. Mais c'est vivant? Mais non, c'est pas vivant. Pitié, dis-moi que c'est pas. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait trop un coquillage, hein. Là, je suis désolée, c'est une pince! J'ai touché une pince! Non, Amandine, je te jure! J'ai touché une pince! Mais ça t'a pas pincé! Non, mais j'ai touché une pince! C'est un animal mort! C'est un homard! C'est pas vrai! C'est pas un homard! Si ça sent du poisson là! Mais je sens pas d'odeur! Ah, c'est une bête, je le sais quoi! Amandine, il y a une matière sur le bout de mes doigts là! Non, je me touche pas, moi! Je te jure qu'il y a une matière visqueuse et granuleuse dans un creux du de la coquille! C'est pas une coquille. C'est pas une coquille. Qu'est-ce que j'ai tiré un énorme truc dans mes mains. Je sais pas. Ça me dégoûte. Je comprends pas ce que. Putain, ça avait bien raison. Ah mais qu'est-ce qu'on touche? Mais qu'est-ce qu'on touche? Je comprends pas ce que c'est. Ah, Amandine, elle ouvre ta main. Donne-moi ta main. Touche là. Touche là. Hey, quoi? C'est du sable. Non, il y a une matière qui s'écoule. Touche là. Non, je peux plus. Regarde. Il y a une matière vaseuse contre ce que j'ai en main. Elle m'a touché ça. Mais c'est quoi, putain? Qu'est-ce que c'est? Des petits indices. Ok. On peut le donner des fois pour les chiens. C'est des os d'abat. C'est pas des os. C'est de la moelle. C'est pas de la moelle. Mais t'es allé chez un charcutier là, C'est de l'os. C'est pas de l'os. Mais si, c'est de la moelle osseuse. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça me dégoûte. Regarde, ah mes mains, oh elles sont graisseuses. C'est pas censé être visqueux. Mais je te jure. Ça, je comprends pas pourquoi c'est moelleux. C'est collant un peu comme ça. C'est pas censé être collant. Il y a une matière sur ce truc. Vous allez avoir du mal à trouver. C'est pas grave, laisse-nous tranquille. Donc c'est pas des os. C'est pas du coquille. Ah non, ah, là j'ai un truc en main, s'il te plaît, Amandine, touche. Faut savoir que c'est séché. Ça sent quoi, moi, ta main? Montre. C'est de la morue. Mais c'est quoi? On dirait de la bouffe pour chien. C'est quoi ce poisson? Ça, c'est un truc. Je te jure qu'en animalerie. En animalerie, En animalerie, ils donnent des trucs pour chiens comme ça là. Des trucs séchés. Il y a des poils. Pourquoi il y a des poils sur ce que je touche? Ah, c'est touche. Elle où ta main? Ah, c'est la bouffe pour chiens. Là, le truc qui bouffe les chiens là. C'est pour les dents. C'est pour les dents, mais c'est pas des. C'est vraiment. C'est pas de l'os quoi. Mais c'est quoi? C'est une autre partie. C'est du cartilage. Oui, ça peut être. On peut dire. Pourquoi il y a des poils sur ce que je touche là? C'est il y a du duvet. Il y a du duvet. Pourquoi il rigole quand je dis ça? Amandine, touche, elle ta main. Donne-moi ta main. Il y a du duvet. Mais non, touche pas. Mais pourquoi il y a du duvet? Ma main est dégoûtante. Mais c'est. Cartilage, ça peut être quoi? Regarde, il y a des poils. Ça peut être quoi le cartilage? Il y a des poils. L'odeur est dégoûtante. Mais elle c'est de la. J'ai sens cette odeur en animalerie, moi. Un maxiso. Quand je vais chercher la bouffe pour les chats. Quelle partie avec du cartilage il y a? Des oreilles, des mains, des pieds. Des oreilles. Oh. Ah, vas-y. Des oreilles. C'est quoi? C'est des oreilles de cochon. Ah, oh, mais ça me dégoûte. Je peux regarder là. Montrez-moi l'assiette. On l'a touché, c'est truc immonde. Amandine, je transpire. Vas-y, on tire les oreilles. Des serviettes. Regarde. Oh, ça me dégoûte. Ah non, une serviette. Vite, c'est une serviette. Et hop, j'ai des frissons et je transpire en même temps. Je suis dégoûtée. L'odeur m'a failli faire vomir là. Ah, déjà.
Tu sais que j'ai des frissons dans tout le dos, je transpire des bras et du visage là. Hein. Je te jure que l'odeur avait... Arrête, ça me fout la gerbe aussi. On a trituré, il y avait un duvet. Et j'ai les jambes. Oh, on a touché les oreilles. Est-ce que vous pouvez voir? J'ai de la chair de poule jusqu'à dans les jambes. C'est une horreur. Ah, j'arrive pas à y croire, j'ai touché ça. On a frotté nos mains à du duvet d'oreilles de cochon. Oh mon dieu, j'ai tellement transpiré. Eh, je te jure, moi aussi, hein, j'ai des gouttes là. Hein. Ah, ça, c'est une bonne idée. Oh, ah, ouais, très bien. Vas-y, très c'est mouillé. Oh. Merci, ah, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, ça sera donné aux chiens. Hein. Oui, bah, oui, ça va être utilisé. Ça va, c'est pas du gâchis, ouais. Bouba. Allez. Ok, on ferme les yeux. Oh mon dieu. Non, je suis pas prête. Là, c'est déjà une horreur. Ça va, ils ont commencé calme, mais pourtant... j'ai l'estomac léger, moi. Léger, comment on dit? Fragile. Ouais, fragile, ouais. Putain, j'ai l'estomac fragile, hein. Ça m'a dégoûté. Ah, moi aussi, j'ai senti l'odeur d'un... Oh. Faut pas qu'on ait l'estomac fragile, genre c'est nos mains qui touchent. C'est pas notre bouche. C'est ce que je me dis. C'est pas notre bouche, on met pas dans la bouche. J'essaie de penser différemment. On n'avale pas, voilà. Là, j'ai l'estomac fragile, mais genre... C'est l'idée même d'avoir frotté ça dans mes mains, en fait, c'est tout. Oh, il est mouillé. J'ai peur. J'ai très peur. Il y a la main de démon qui est en train de le mettre, là. Je sais pas. Bon, t'es prête? Non. Pas du tout. Attends, attends. Ouais. Non, ça bouge pas? Non. Eh mais tu sais, si c'est des insectes et tout, on m'entendra pas vraiment. Hein. J'ai tellement été dégoûtée par ce qu'il y avait avant. Je me sens pas bien, je vais dégueuler. T'es prête? Non, pas du tout. Je vais toujours sur les bords d'abord. Il y a un truc en plastique là. Ah, j'ai touché quelque chose. Mais je touche un truc en plastique. Conique. Ah ouais, là il y a un truc effectivement. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc en plastique? C'est un requin ou quoi? C'est une forme de requin. Je touche là. Tu m'as fait peur. Mais allez, où ta main à toi? Eh, hey, c'est un jouet, ça. C'est un requin, ça. Vous avez voulu qu'on puisse se choper la main, là. J'ai failli y passer, hein. Eh, hey. Hey, c'est un requin. Le regard, ça m'a... J'ai la main dedans. Ah, il revient. Tu t'es fait croquer la main. Par toi. J'étais en train de dire, ouais, j'ai la main dedans, ça me fait pas mal. Et toi, t'as appuyé. Tiens, c'est que ça alors? Il y avait pas un truc gluant avec? Quoi? Non. Ah, il y avait un bout de pâte. Ah oui, c'est ça, il y a un bout de pâte encore. Ouais, je me suis pas fait choper la main, enfin pas abandonné, mais pas par ton jouet. Ouais, c'est un jouet. Tu peux le voir? Ah! Excellent! Ouais. Un requin! C'était bien trouvé, c'est bien trouvé. Mais comment ils l'ont mis? Ah, il tient comme ça, genre. Ah, pas con. Ah, c'est pas con. Il voulait qu'on se fasse croquer la main. Hein. Ouais. Ça, ça va pas marcher. Ah! Bonne idée, très bonne idée. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc après? Qui va utiliser ça? Il y a une arcade au fond. Ah, mais c'est un jeu. C'est un jeu. Pour faire quoi? C'est un jeu. En fait, ah, faut aller chercher la ouais, et avec une pêche, je pense. Et le truc, il risque de se fermer si tu. Il y avait une pêche avec? Avec une canne. Avec une canne. Ah, c'est bien, c'est bien trouvé. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, allez, go, suivant. Si on ferme les yeux, on ferme les yeux, c'est bon. Au moins ça c'était un peu plus soft, c'était cool. Oh putain, ça nous a permis de se calmer. Mais c'est des enfoirés, hein. Ils font un ascenseur émotionnel, tu crois que tu les connais pas? C'est des enfoirés. Là on va voir un truc bien. Au début ils ont fait plat de pâtes. Ah c'est pas bizarre. Ensuite ils ont mis un truc qui appartenait à un truc vivant, tu vois. Ah ouais, c'est bien. C'est bien dégueulasse. Et après ils repartent sur du soft en mode. Je vous mets un petit jouet. Dégueulasse. C'est bon maintenant. Tu vois, c'est maintenant que tu m'attends un peu au pire après. Ah oui, oui. Bah ça y est, on est passé au plus soft avec lui. On peut ouvrir les yeux? Non. Non, il y a encore quelqu'un qui touche à la boîte. Heureusement que j'ai rien. Tiens, fais attention à ce truc.
Dites-nous, hein. Attends. Une odeur. C'est vrai? Je sais pas. Je sens toujours le plat chinois maintenant. À cause des pâtes. Dites-nous quand on peut ouvrir les yeux, hein. C'est très bon ce qui se passe là. J'ai tellement peur. Tu mets bien les objets. Ouais. C'est très très bon. Pourquoi il faut une préparation? Je suis pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça vous entend? C'est bon. Sûr, hein? Okay. Je vais toujours écouter, moi. J'ai très peur. Non, ça fait pas de bruit. Vas-y, on y va. Ah, c'est gélatineux ça. Attends. C'est gélatineux ça. Il y a de la gélatine et du dur. Putain, si, ils m'ont mis un espèce de scarabée dedans. Oh mon dieu, il y a quoi là? Alex. Ah, ça c'est un jouet ça, les trucs qui collent là, non? Ça c'est un jouet. Non, non, ça. Je sais pas. Ça là. Attends. Je attends. Tu sais quoi là? Ah, je sais pas. Là. Ah, c'est quoi ça? C'est là, non, c'est pas des bêtes, arrêtez. Non. Y a rien, je regarde juste s'il y a rien sur la boîte là. Quoi, Julia? Oh mon dieu, la bouche. Il y a un truc sous la boîte qui s'est accroché à mon doigt, moi. Je sais pas ce que c'est, je sais pas où c'est tombé. Quoi? Il y a un truc contre la boîte ici là. Non. Si, il y a un truc contre la boîte ici. Ah, oh, je transpire. Moi, oui, je suis un... Mais c'est pas vivant, arrête tes conneries. Oui, tu vas bien. Il y a un truc qui est tombé dans ma chambre là. J'ai peur. Amandine, mais c'est je quoi, sais c'est pas où. Je sais pas. C'est un truc vivant ou quoi? C'était gluant et ça tenait à la boîte. Est-ce que ça va à la boîte? Le truc gluant, c'est rien. C'est le truc là. C'est contre la boîte, il était là. Que je t'ai jeté. Tu l'as acheté contre la boîte. Ouais, je crois. Et ça colle. C'est pas les jouets qu'on colle au mur ça? Ah, c'est quoi ça? Je vois pas bien du tout. C'est quoi ça? C'est une bête. Non. Je te jure, il y a une bête là. Il y a un truc avec des pieds là. Ah, c'est quoi ça? Un truc avec des pieds? Je te jure, il y a un truc avec des petites pattes là. Attends. Ah! Je sais pas si c'est du plastique ou pas. Ah, c'est du plastique. C'est du plastique. C'est... Tiens, donne ma main. Attends. C'est du plastique pointu avec des antennes maintenant. Tiens. Non, je ne me le donne pas. Prends-le. C'est une antenne, c'est un jouet ça. T'as un jouet en main là. Je crois. Tiens. Tu crois? Je sais pas. Ça bouge pas. Ça bouge. Elle me le donne. Tiens, j'ai peut-être un scarabée. Quoi? T'as dit quoi? Oh, il a dit, je sais pas. J'ai tellement envie de savoir que c'est énervant. Ah non, c'est un jouet ça, c'est du plastique. Regarde, tu vas prendre. Attends, putain. Je l'ai tout jeté chez toi. Est-ce que t'es sûr qu'il y a rien de vivant? Putain, ils ont peut-être mis un truc vivant là-dedans. Hein. Imagine, on prend la confiance, il y en a un qui est vivant. Oh non. Tu le sens? Non, attends. J'en touche plus là, moi. D'accord, c'est des jouets ça. Attends, attends. C'est quoi ça? Un jouet. C'est faux ça. Ça, ce que j'ai en main, c'est faux là. On est d'accord. Ça, c'est faux. C'est avec des pattes? Non. Quoi? C'est complètement gluant. Ah oui, mais c'est faux ça, oui. C'est pas ça que t'as touché avant? C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est du faux. Je transpire. Moi, je pense que c'est des petites bêtes là en plastique. Je transpire, je transpire. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et le truc qu'on lance, c'est ça? Le truc gluant. Et j'ai tellement peur que je transpire comme une malade. C'est quoi? Une masse. On peut voir, hein? Oh, mal quoi ça? Oh mon dieu, c'est horrible, c'est horrible. Ah oh, putain. C'est dégueulasse, franchement. Juste le toucher avec la main, c'est dégueulasse. Je pensais pas que c'était ça quand même. Mais il y a un espèce de verre, c'est ça qui m'a collé. Mais putain, il est dans ma chambre. Il y a un truc gluant. Il y a un verre gluant qui s'est promené. Il y a un verre gluant. C'est quoi? Qu'est-ce qui était collé à la boîte, Alice? Un truc qui est très plaque dedans. D'accord. Ah, c'est dégueulasse. Ils ont bien choisi, là, c'est ça, regarde. Viens, les médeurs. On les garde sur la porte. Hein, c'est trop bien. Ils sont stylés, hein. Oh, le vert comme mes cheveux. Ouais. Oh, wow. Par contre, ça, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment cru que c'était vrai, hein. Ouais, ça, ça m'a dégoûté. Ça m'a fait flipper, ces petits dés à poules, par contre. C'est dégoûtant. On va les garder là, regarde. Oh, oui. Oui. Je déteste les limaces. On en garde un chacun? Ouais, allez. Allez.
c'est parti. Allez. 3, 2, 1. On a une petite limace ici. Je fais plus confiance. Il n'y avait pas eu un bruit bizarre quand il a déposé le truc dedans là? Je sais pas. C'est bon? Mmh. Ah. On peut ouvrir les yeux? Non. C'est bon. Ah. Attends, il y a eu un bruit bizarre quand il a déposé le truc. T'es sûr de toi? Je sais pas, comment? Je suis pas sûr du tout. Mais je peux plus entendre moi que tu mets ta main. Il y a une assiette. Il n'y a rien dedans. Il y a un truc dedans. Ah. C'est quoi? Putain, ils ont foutu un espèce d'os là. Non, tu crois? Mais c'est granuleux. Ah non, c'est autre chose ça. Attends, il y a un côté, c'est dur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a un côté où c'est dur. Et va. Ouais, ça se... Et au-dessus, c'est mou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du pain ou quoi? On dirait pas un truc effrayant à toucher, en tout cas. Il y a un trou au milieu, là. Regarde. En fait, le seul truc... Pour nous, c'est pas dégueu à toucher, mais visuellement, ça doit être dégueu à regarder. Parce que finalement, sinon, je vois pas ce que ça fait, là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a rien d'autre, on est d'accord, il y a que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore du cartilage, un truc d'animaux, ça, encore. C'est un truc animal? Tu peux le mettre en face de la GoPro aussi si tu veux. C'est une fausse crotte en plastique? Je sais pas moi, parce que sinon je vois pas, tu vois. C'était animal? Non. C'est un truc animal, ouais, c'est un truc animal, c'est sûr. C'est du cartilage cette fois. C'est encore du cartilage? Non, avant c'était pas du cartilage. Bah si, les oreilles avant. On peut dire ça, enfin. C'est un cartilage. C'est encore un truc osseux. Enfin... C'est osseux? Pas vraiment. Mais c'est ils sont indécis. Je sais pas. Mais c'est un truc du corps humain, ça. Non, animal, ils ont dit. Animal, sûr. C'est un cochon encore. C'est un trou du cul. C'est pas vrai. C'est un trou du cul. C'est un trou du cul. Desséché. Non. Ah. Putain. Ça peut être un kiki. Bah non, c'est rond avec un trou. C'est un cartilage autour des yeux là. C'est les trucs ça vient du visage. C'est un truc autour des yeux là. C'est le groin. Non. On a un groin. Regardez. Oh mon Dieu. Mais je me disais, on est même pas à cette couleur là. Non, mais non. Ah, c'est dégueulasse. Tiens, ça me dégoûte. Non. C'est vraiment dégueulasse. Ça appartenait à une bête, ça. Oh non. Ça ressemble aux chips crevettes. On est à fond, hein. Ah, c'est une horreur, hein. Regarde-moi ça. Oh non, ça appartient. C'est un cochon. Regardez le cochon. Non. Oh. Non, mais vas-y. Ah, ça me dégoûte en même temps. Je suis triste. C'est dégueulasse. Hein. Ah, j'avais pas capté qu'il y avait deux trous, en fait. Franchement, c'est faible, quoi. Incroyable, hein. Ouais, c'est incroyable. Ah, ça me dégoûte, vas-y. C'est bon. Ouais. Allez, enlevez ça. Ah, comme elle fait... Regarde le mouvement. Hey. Oh, mon Dieu, regarde, elle fait très vrai. Ah. Ça m'a dégoûté. Mais le mouvement, regarde-moi ça. C'est vrai que le mouvement, il est bien fait, hein. Mais tu sais ce que je crains là, ça continue et moi je crains trop le fait qu'il y ait un vrai truc vivant là-dedans. Oh, j'ai peur, je te jure, depuis tout à l'heure là je suis en transe. Je suis en transe aussi. Je me sens pas bien. Je suis trempée. Hein. Je savais que cette vidéo allait me faire peur. Ah oui, à tourner aussi, en fait. Moi aussi. Ah, les gens ils vont encore nous dire ouais mais vous aimez le gore, c'est pas vous l'horreur. On aime le paranormal. Le gore ça nous fait peur. Là, le gore c'est dégoûtant. Ouais. Three, two, one. Pourquoi c'était si long? C'était très long la préparation. C'était trop long. Problème technique. Ah ouais? Ça fait très peur cette histoire.
C'est bon. C'est bon? J'ai peur. Franchement, j'ai pas du tout envie de mettre ma main là-dedans. Non, le temps que ça a pris là. C'était très long. Problème technique, ça veut dire quoi? Attends, attends, on va réécouter. C'est vrai. Attends. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est haut! Quoi? C'est haut là. Ah mon dieu! C'est haut. Ah, attention! En fait, il y a un truc que je sais pas ce que c'est. C'est un truc très haut comme ça, hein. Vers le haut là. Dès que je s'en cache. Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est pas vivant. Hein. Non, mais en fait, il y a des trucs comme ça. Ouais, il y a un truc, ouais, il y a un truc avec des trucs tout fins là. C'est quoi ça? Oh mon dieu, tu sens. Attends, attends. Ça fait rire. C'est quoi? C'est un pic de quoi? Je sais pas, j'ai un pic dans le doigt. J'ai un truc qui m'a fait super mal, j'ai un pic dans le doigt. Putain, c'est quoi ça? C'est vivant? Mais t'as ramené un truc avec un pic et t'avais pas prévu que je me pique dessus? Non, je sais pas, je pensais pas. Ah mon dieu, je me suis fait mal là, hein. Il faut pas rentrer la main de mon côté, hein. Ah, c'est une plante. Là, ça fait super mal. Ah, c'est une plante, c'est une plante, c'est bon. Ah, je me suis fait super mal à mon dina. Ah, c'est ça, c'est une plante. Mais c'est quoi comme plante? Ah, c'est quoi cette plante? Elle est bizarre, hein. Elle a un style bizarre, la plante, regarde. C'est quoi comme plante, ça? Hein, c'est doux, là. Ah, j'ai eu peur, son maman, c'était des antennes, hein. Non, mais j'aime pas, on dirait des pattes, quand même. Non, non, c'est une plante, mais je sais pas ce que c'est. Mais putain, c'est quoi, ça? T'as un bouquet? Prenez-le, regardez. Ah, c'est ça? Oh, c'est fou, hein. C'est incroyable quand même, hein. T'avais deviné plante, mais putain ça m'a fait à quel super point ça fait, à quel point ça me fait flipper de toucher ça, ça aveuglade, c'est incroyable. Mais en fait tu vois les petits pics là, ouais. Voilà, c'est un truc comme ça que je me suis pris, ça m'a fait hyper. Ah mal. Bah oui ouais. Putain, petit, regarde, ouais. J'ai une ouverture dans le doigt carrément. Putain, grand, merde. Grand, pas de chance, hein. Allez, objet suivant. 3, 2, 1. J'ai peur. On est dans le plus grand des silences, c'est sûr, pour le rêve. Pourquoi ça fait autant de bruit quand il pose là? On dirait que c'est pays. J'ai peur. Non, c'est moi, je suis trop pique. C'est mon as. C'est pas un animal en réalité. Non, ça bouge pas. J'ai pas l'impression, hein. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi? C'est lourd! Ah, mais c'est quoi? Pas vivant, c'est pas vivant. C'est un bateau? Je veux juste pas que ce soit vivant. Oh, putain, je l'ai tenu dans la main, c'est quoi ce truc? Mais putain, c'est encore un os d'animal? C'est osseux et poilu là. Il y a une petite touffe de pointe sous oh ma main. Mon dieu, c'est quoi ça? Les gars, ils sont partis à l'animalerie, ils ont fait vas-y. Ça nous fait notre vidéo. T'es parti avec ciseaux, t'as fait. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Mais tu sais qu'il y a une. Alors déjà, il y a une matière dégueulasse. C'est une queue ou quoi? Non. Là, regarde. Regarde là. Je sais, je sens. Tu sens cette matière de poils? C'est des poils? Ouais, c'est des poils. Et des poils qui sont restés? C'est un pénis de taureau. Vraiment? Je savais que c'était un kiki. Ah, c'est pas un kiki, hein. Ah, il est con. Bon alors, bah non. Est-ce que c'est du cartilage? C'est de l'os, ça. C'est de l'os? Ouais. Ça a appartenu à un porc, un cochon? Non. Ah. Ça a appartenu à qui, putain? Qu'est-ce qu'on touche, bordel? Je sais pas. C'est un museau? Non, c'est trop long. Est-ce que c'est un bout de jambe? Ouais. Oui. Oui. C'est un tibia? Une patte. Wouh! C'est une patte? Non, pas vraiment. Mais non, il n'y a pas de bout, il est où le bout de la patte si c'est une patte? Je sais pas. Ah! Il y a des petites choses là. C'est une patte. C'est une patte de poulet. Non. C'est une patte de dinde. Il y a une patte là, je reconnais. Une patte de coq. Ça, c'est les. Ouais, tu sais, ils ont des. Ils ont les. Là.
La pâte qui part de côté là. Et non. Non. Qu'est-ce que c'est comme pâte? Mais c'est une pâte. Vraiment. Ça c'est de la pâte. C'est pas une pâte de poulet, c'est pas une pâte de porc. De poule non plus, hein, on est d'accord, hein, de porc non plus, bien. Non, les porcs, porcs c'est pas. Un non, chat. C'est de la volaille, c'est de la volaille là. Quoi? Non, c'est mais pas c'est de la quoi volaille. Ce petit truc là? Il y a une excroissance ici. Ah, c'est bien trop loin du reste. C'est une pâte de. Dégueulasse. Une c'est noix. C'est très épais quand même, une pâte c'est de un doigt. Chien. C'est une pâte de doigt. Non. Non, c'est pas un chien. Si. Mais non, parce que s'ils l'ont trouvé en animalerie, on fait pas ça, on vend pas des trucs de bah chien. Ah oui. Ils vendent que des produits. C'est plus c'est, pas, c'est plus un produit d'industrie agroalimentaire, ils vendent que ça en. Non. Non, un veau. Un agneau. Un agneau. Oh. Oh mon dieu, okay, quelle horreur. Mais c'est pas vrai. C'est une horreur. Oh, ça me rend triste, hein. Mais franchement, ils donnent ça à manger, pourquoi? Oh non, regarde. On est vegan, oui. Non, oh, putain. Franchement, c'était bien trouvé. Je pourrais pas acheter ça pour mon chien, regarde, il y a la forme. Oh, regarde, je peux tiens, pas. Ceci appartenait okay. à un animal vivant. Tu vois, il y a encore la forme, déchique-le bien. Non, je peux pas. Je pourrais pas. Tiens la main, je t'offre ça. Ça me dégoûte. Il est où ton pote là, ouais. Là. C'est dégueulasse. Mais ils mettent quoi par-dessus, putain, parce qu'il y a encore une matière. Ah, il y a encore le poil et tout. Ah, l'odeur est dégoûtante. Il y a du poil à l'arrière là, ah, c'est poilu encore, tu te rends c'est compte? C'est dégueulasse. Là, il y a le poil. Mon copain, en fait, c'est un enfoiré, il faut dire ce qu'il est, parce que ce qui lui fait plaisir, c'est vraiment ce qui répugne les autres, en fait, tu vois. Et en gros, il. Mais surtout qu'on est vegan. Alors, végétarienne, coup, pas vegan. Oui, végétarienne, pardon. Alors, le fait que, effectivement, lui, il sait qu'on est végétarienne, qu'on aime pas les trucs d'animaux. T'as vu cet enfoiré? Alors, du coup, on en profite là. C'est en moi fait. Qui dirige la vidéo, je vais les faire toucher des animaux. Vous voulez avoir peur? Ah, c'est un enfoiré. Ah, hein. C'est un enfoiré. C'est un enfoiré. Hein. Ouais, je suis confiante. C'est un type. Ouais, c'est un type, ouais. Est-ce que vous pensez que c'est ma sœur qui a fait ça là? Dites-nous en commentaire si vous pensez que cette idée-là, ça vient de ma sœur. Je suis sûre que c'est ça. Saleté, là. Ok, c'est parti, la suite. Allez, objet suivant. Ferme les yeux. 3, 2, 1. J'ai peur des derniers, là. Je moi aussi, comme parce que je suis sûre qu'ils ont gardé le pire pour la fin. Ah, mais c'est sûr à 100%. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont dit de fermer les yeux, ils viennent pas. Pas. Quoi? Oui, on a les yeux fermés, c'est bon. J'ai peur. Et c'est marrant cette vidéo, j'ai l'impression qu'on joue comme des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. T'as les yeux fermés, oui, c'est bon. C'est horrible. Allez-y. C'est bon? J'ai peur. Moi aussi, je préfère écouter. Ah, tu vas direct là, t'écoutes pas le bruit. Tu as raison. Ça bouge pas. Tu n'entends pas bouger en tout cas. J'ai peur. Tout va bien, on recommence. Elle m'a fait trop peur cette gueule. Putain. Non mais, elle est derrière toi. Oh putain. Il y a la lumière à bon début. Non. C'est quoi, c'est bizarre. Ça des pattes, hein. Non. C'est des pattes. C'est. Hey, c'est quoi ça? C'est vivant. Ah non, attends. Moi j'ai l'impression qu'il y a des feuilles là. Mais. Je suis pas sûre à 100%, ça me fait peur. Ah, ah, ah. C'est humide avant. Non, c'est humide, c'est humide. Mais j'ose pas aller. C'est vivant. Arrête! Comment ça, c'est vivant? Doucement, c'est vivant. Sérieusement? Doucement. Bah oui, c'est vivant. Doucement. Ça bouge pas, vrai. C'est des feuilles ça. Donc c'est de la gueule, c'est pas vivant. C'est des feuilles? Mmh. C'est des feuilles. Ah putain, il est con, il m'a fait peur. Ouais, mais faut pas. C'est quoi, c'est une plante? Mmh. Ah putain. Ah, ça m'a fait trop flipper de le toucher. Ah ouais, si, c'est une plante. Il y a un pot, il y a un pot. Ah ouais, ouais, là je le sens, ouais. C'est du thym. Vas-y, dis. Arrête, faut pas trop me toucher. Pourquoi? Ah ouais, c'est bon. Ça. C'est une plante carnivore. Non. C'est une plante qui se rétracte ouais, quand c'est on la plante, touche. Hein, c'est tout.
Je sais plus comment elle s'appelle celle-là, vas-y monte-la. Regarde, elle est trop bien celle-là. Elle est trop spéciale. Oh, excellent. Ah, oui. Ah, on a fait chacun un pot. Ah, d'accord, j'avais pas vu, excellent. Mimosa sensitive. Ah, c'est beau. Mimosa sensitive. Ça, c'était tout ouvert et quand tu la touches là, tu vois. En live, les fleurs elles se ferment normalement. Ouais. Ah, c'est bien fait ça. Ouais. C'est génial. Ah, oui, oui, regarde. Oui, 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 oui. Oh. Ok. J'ai très peur. Putain. Là, ils nous ont barricadé le carton. Ouais. Ça annonce vraiment rien de bon. Ça me fait encore plus peur là. C'est le dernier ça, tu crois? Je sais pas. On en a fait combien? Aucune idée. Putain. Avant d'y venir au procureur, j'ai trop peur. Imagine, ils mettent mal. Faire la main des moves. Prêt. Non, arrêtez. Ok, c'est parti. Three, on peut ouvrir les yeux? Two, on peut ouvrir les yeux. One. Regarde. Attends. Attends. Et ça fait du bruit ou c'est mes cheveux contre le plastique qui font du bruit? J'ai l'impression que ça fait du bruit, putain de merde. On essaye. Putain de merde. Franchement, si y a un... Alex, tu regardes ma main comme ça, je vois que c'est peut-être... Elle va le toucher, elle va le toucher. Ah, 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 ah. S'il y a un animal là-dedans, j'ai trop peur. Touche les parois des murs. Pas. On met notre main ici comme ça, Amandine. Putain de merde. J'ai peur. Ah. J'ai attends, attendez. Quoi? Okay. Pourquoi? Ça a bougé? Non, 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 ouais, non. Non, vous, allez-y, allez-y. C'est pas si simple. Et où ta main là? Attends, attends. C'est quoi ça? Je sais pas, je sens un truc. Il y a quoi devant? C'est quoi que je touche? Elle est où ta main? Là, là, là. Là, okay. Et juste en bas de nous, il y a un plastique là. Regarde là, là. C'est quoi ça? Il y a quoi dedans? Ah, imagine c'est un dos d'animal genre dur. Je sais pas, non, c'est un plastique ça. Mais pourquoi il devrait mettre du bâche, de la bâche alors? Je sais pas, il y a quelque chose dedans, mais j'ose pas mettre ma main dedans. Vas-y, mets-la. Mais ça, dans quoi? Dans le plastique? Ouais, il y a un truc dans le plastique, je suis sûre. Je mais le de sens. Quel ordre? Je sais pas. D'ordre visqueux? Je sais pas, mets ta main dedans, s'il te plaît. Elle met ta main là. En bas, là. Là, là tu sens? Il y a un plastique. Il y a une boîte en plastique. Ah, elle est trop loin de moi. J'arrive à la toucher. C'est une boîte en plastique? Pas. Avec des criquets dedans? Ah, je sais pas. Alex! C'est. Eh, ma lumière! Ah. La lumière! Il y a quelque chose dedans, je sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, excusez-moi, il y a une boîte en plastique qu'on doit ouvrir là, genre non. Je comprends pas ce qui se passe, il y a une boîte en plastique? Vraiment? Ouais. Mais je peux mettre la main dans la boîte? Non, je peux pas, j'ai peur de mettre la main dans la boîte. Et ça va pas? Ils ont mis un plastique et une boîte? Il y a quelque chose de vivant là-dedans. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. Bah oui, pourquoi j'aurais mis une putain de bâche? Là, je vais toucher ça, regarde. Y'a rien, y a rien là. Une boîte en j'ai mis ma main dedans, y'a rien là, j'ai rien touché. Mais il faut chercher un peu, c'est comme. Comment ça, faut chercher un peu? Faut chercher dans la boîte? Mais non, mais. C'est sorti de la boîte? Hein? Il est sorti de la boîte? Y'a un truc qui est sorti de la boîte? Mais non, mais ça peut être tout petit. Faut fouiller dans la boîte, Amandine. J'ai peur. Y'a un petit truc dans la boîte. Non, je peux. Y'a quelque chose dedans, j'ai touché un truc. C'est quoi ça? C'est pas vrai. C'est quoi? Je sais pas! Ça bouge, je crois que ça bouge! Ça bouge? Oh mon je dieu! Je te déteste, Alix! Je crois que ça bouge! Ça bouge? Je suis pas bien! Je vais pas toucher ça! Je suis pas bien! J'ai touché un truc dégueulasse là! Est-ce que ça mord? Hein? Ça pique? Ça pince? Ça a bougé! Il y a plein de trucs bouger! Il y a plein de trucs à bouger! Plein de trucs? Ouais, les ouais! Les choses immobiles que vous avez touchées avant, c'était immobile! Pardon! Ah, je suis pas bien, j'ai senti un truc bizarre. J'ai l'impression d'avoir mis des doigts dans les vers de terre en fait. Non, arrête. Non, c'est pas ça. Dans des asticots. Non, c'est des asticots. Je te déteste. Non. C'est des vers, je suis sûre. Ah, c'est une matière de vers et d'asticots. Ah, c'est quoi ça? T'as tes mains dedans comme ça? Ouais, tu trempes tes doigts? Non, j'y vais tout doucement. Je trempe mes doigts. Non, je vais tout. Ah, j'ai touché un bout. Allez, c'est parti. Vas-y.
J'en prends dans les mains. C'est parti. T'en prends? Ouais. Ah non. J'ai touché. J'en ai appris un. Est-ce qu'il est tombé quelque part? Oui, un couteau sur la table. Tu l'as pris dans tes mains? Ouais, ah, non, je pas. Si, j'en ai pris dans les mains. Mais je sais pas si c'est bouge. Putain, merde, j'ai jeté quelque part. T'as un asticot, ça, c'est des asticots, ça. Il y en a plein, il y en a plein. Dites-moi que c'est des asticots. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a un mix d'animaux là-dedans. T'as fait un mix? T'es allé au parc, t'as pêché tous les animaux que t'as trouvé? Vous avez mis quoi là-dedans? C'est dégueulasse. C'est des moules. Elle a pris quoi là? T'as pris un truc, Julia? Oui. Oh mon dieu. C'était un peu plus gros qu'avant là, par contre. J'ai pris un truc qui était plus gros et plus épais que les autres. Hein. Quoi, y'a quoi? Ah, tu peux pas me toucher. Non mais c'est dégueulasse, c'est parce que vous avez mis dedans. Je sais pas si ça bouge en vrai ou pas. Oh mon dieu. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge à cause de moi? Attendez, vous savez quoi? Je vais. Vous avez le temps de la main? Non, c'est bon, je l'attrape tout seul. Non, c'est bon. Oui, mais attention alors. Ça. Mais est-ce qu'on va les ploter pendant une heure là? Je sais pas. J'ai peur qu'il. Je le secoue là, le truc. Écoute. C'est quoi? Je le secoue là. Non. Quoi? J'ai fait quoi? J'ai trop de tension là, j'ai fait quoi? Hé, je trouve qu'on a assez ploté ça, hein. Okay, on a le droit de dire des mots maintenant. Regardez, c'est bon. Verre de terre. Asticot et verre de terre. C'est verre de terre ça? Asticot et verre de terre. C'est pas. Mais c'est énorme. Oh les pauvres, je les ai mal menés moi. Il y en a un qui essaie de se barrer. Ah, faut qu'il voie ça. Ok, contrôlez la boîte tout de suite maintenant, stop. Oh, pourquoi il a pété pendant une heure? Ça va pas retomber dans la tâche. On les a plottés pendant trop longtemps là. Ah, c'est quoi ça? Horrible ce que vous avez fait, horrible. Allez, rangez cette boîte, rangez. On est désolé, bon. Désolé les petites bêtes. Ah, j'étais mal venue, rangez bien. Comme ça, j'en ai jeté plein de la boîte. Putain, tu montes là. J'ai touché ça. Tu me le sais barrer. J'ai touché ça, je les ai flottés, j'ai caressé, genre avec mon doigt. Et toi, t'en as pris dans ta main? Oui, j'en ai pris plusieurs. Oh. Là, j'en ai pas pu faire. Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est dégueulasse. Enlevez-moi ça vite. Ah, mon dieu. Enlevez ça, allez, contrôlez la boîte. Contrôlez la boîte, faites quelque chose. Là, on est par terre, on a plus d'âme. On a plus de vie. Ah non, on a bout de chez vous là. La caméra me voit même plus là. Désolé. On en peut plus. On en peut plus. C'est bon? 3, 2, 1. Là, ils ont. Ah oui, si, il y avait la boîte comme ça avant. Putain, j'ai peur, mais non, merde. Avant, on a écouté, on a cru qu'il n'y avait pas de bruit, Amandine. Ouais. On s'est fait avoir. On n'avait pas de bruit non plus. Putain, merde. J'ai très très peur.
Oh non, il y a encore une boîte, putain. C'est pas vrai. Non, il y a encore une boîte. Non, je veux plus toucher d'insectes, pitié. La boîte est légère. Ah, quoi? C'est génial, tu as lancé un truc là. C'est la boîte que j'ai touchée. Ah, tu me l'as balancé vers moi. Vas-y, ils ont fermé le couvercle là, je viens d'ouvrir, Amandine. C'est pas vrai. Si, je viens d'ouvrir. Vous faites chier avec vos couvercles et vos insectes de merde là. Ah! Attends, non. J'ai fait une crise cardiaque dans cette pièce. J'ai mal au ventre. Non, arrête, putain. J'ai peur. C'est de nouveau des insectes? Je veux plus. Quoi? Je sais pas. Je veux plus des insectes, hein, je peux plus. C'est quoi? T'as quoi là? Ouais, je comprends pas. Mais t'as quoi, hein? T'as un truc là? Je touche un truc là. C'est ta main ça? Ça, c'est moi. C'est quoi que je touche là? Je comprends pas ce qu'il y a. Je touche un truc là. Mais moi j'ai une boîte vide. Mais c'est quoi que je touche? Elle est où la boîte là? Regarde là, je touche un truc. Regarde ta main là. Elle est où là? Oui, là. La descend. Regarde, il y a un truc. Tu vois? C'est quoi ça? C'est quoi? Non, je sais pas. Je sais pas, je l'ai bougé en tout cas. On dirait un truc de carton un peu. Oh non, ça a dévoilé des bêtes. Je suis sûre. Putain! Ça a dévoilé des bêtes? Je sais pas, j'ai soulevé, je l'ai mis à côté. Hein. Arrête. Si. Je veux pas toucher des insectes. C'est quoi, pitié, c'est quoi? Mais non. Ah! J'ai peur. C'est moi. J'ai trop peur. Putain, oh merde. Ah, bien. Je veux plus. Mais je sens pas. Je sais pas ce qu'il faut toucher. En même temps, j'ai peur. J'ai si peur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Pourquoi il y a eu un carton et une boîte? Putain, ça me dirait. Et si t'as mis une putain de sauterelle là-dedans qui nous saute dessus? T'as pas mis un animal qui saute? Dis-moi la vérité. Juste. Je sais pas, il se touche le visage. Il est pas bien là. Quoi? Mais non, parce que j'ai envie de rire. Il y a rien. Mais je veux pas toucher un insecte. Il y a rien. Je veux pas, j'ai peur. Il y a forcément un truc. Ah, tu l'as fait tomber, je crois. J'ai retourné la boîte. Elle l'a fait tomber, non? J'ai retourné la boîte. J'ai retourné. Hein? J'ai retourné la boîte. J'ai retourné la boîte. Ça veut dire qu'il y a tout dehors là. Ah. Là, c'est genre. J'ai retourné la boîte. Là, il y a des bêtes. Non. T'es sûr, hein? Putain. J'ai très peur. J'ai peur. T'as touché quoi? Je sais pas, rien, mais j'ai peur. Ils sont... Attends, j'ai touché un truc. J'ai touché un truc. Ah. T'as touché quoi? Je... Je sais pas, mais il est là. Ça pue, hein. Ah. Oh. Pourquoi, Alex, il a... je vois ses yeux qui font comme ça. Pourquoi? Je vois ses yeux qui font comme ça. Quoi? Ils disent oh putain, ça va sortir par le trou, ça monte Amandine. Ça monte, ça monte, je suis sûre que ça monte. Je vois rien là. Mais on doit pas regarder dans le trou, de toute façon on n'a pas le droit. Hein. J'ai peur. Mais ça monte, ça monte. Il y a un truc qui vient de sortir. Oh putain, ça bouge. Oh putain, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Oh mon dieu. Elle est dehors, elle a peur, elle veut plus rentrer dedans. Non, 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 non. Par contre, des putains d'animaux qui sautent, vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Mais tu te fous de ma gueule. Tu voulais que je touche ça? Et moi, j'ai une Est-ce que t'entends le bruit? Est-ce que t'entends le bruit? Des masos, hein. Des franchement, grands masos, là t'as abusé un peu par contre. T'as trop abusé. T'as mis des putains de bêtes qui sautent. Espèce d'enfoiré. Oh, t'as osé. Y'en a une qui est dehors, on fait quoi maintenant? Non, elle est rentrée. Elle est dans ma chambre. Ah ah. Oh putain.
Ah, ils sont sympas. Ah, t'as vu comme ça a sauté sur Amandine. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce truc là, c'est quoi? Je sais pas. C'est quoi ces putains de sauterelles? Mais j'ai une hantise de ça, putain. C'est la pire chose. Ah, attention. C'est la pire chose de toute ma vie. Je peux pas, je peux pas. Sérieusement. Mais je peux pas, je peux pas. C'est à sauter dans la chambre, c'est à sauter dans la chambre. Oui. Dit, connard. Est-ce que t'as bien fermé devant? Oui, oui. Dégagez-moi cette boîte tout de suite. Mais jamais ça de ma vie. La peur de ma life. Calme-toi, c'est bon. Allez, y'a plus de criquet, calme-toi. Comme vous avez pu voir, cette vidéo est un vrai désastre. Un véritable désastre. Je transpire, je suis en sueur. On n'en peut plus de cette vidéo, je crois. Je vais finir célibataire à la fin de cette vidéo. Je crois, voilà. Ouais. Je crois que tu peux faire tes valises ce soir. C'est terminé pour toi. Commentez si vous pensez que je suis célibataire ce soir. Ouais. On fait un pari là. On fait un pari. Alors là. Vous étiez là-bas, mais genre, Amandine là, quand il y a un putain de criquet qui est sorti de la boîte, il allait vers elle, elle a reculé. Ça va sauter, ça saute. Oh, c'est une horreur. C'est pour ça que je te dis, t'as abusé. Je suis au bout de ma vie, je vais tomber dans les pommes. Et c'est tombé sur le lit, sous le matelas. Genre, ça a failli finir dans sa chambre. Ça me dégoûte. Et lui, il veut que je dorme et qu'il y a un criquet qui me saute sur moi quand je dors. C'est une horreur. Le pire, c'est que c'est ta chambre, mais t'es pas inquiet. T'aurais pu ramener des criquets dans ta chambre, toi? Non, je t'aurais tué. Bah voilà, bon, bah voilà. Si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous dire, on en fera d'autres. Ou pas. Franchement, plus avec eux en tout cas. Plus avec vous. Je joue avec Youssef et Pauline, mais Youssef aussi, attention. Ouais, ouais, ouais. Non, non. C'est vrai. Je sais pas si mon cœur il va tenir pour une deuxième tournée là, je sais pas. En tout cas, franchement, ça en valait le coup. Est-ce que vos oreilles ça va? Dites-moi en commentaire si on vous a bien trouvé les entendants. Voilà, c'est ça. Mon dieu. Non, non, je veux que cette boîte sorte de mon appartement. Tout de suite. J'ai déjà prévu. Ah. On va les relâcher quelque part. Allez-y, allez-y. Okay. Bon, et ben, on va s'arrêter là-dessus. Ouais, il vaut mieux. Voilà. Il faut qu'on reprenne de l'air là en fait. Je vais crever en fait. Stop tout. Je meurs, j'en peux plus, c'est bon. En tout cas, ben, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Oh putain, oui, que ça vaille la peine, mon dieu. On a souffert, j'espère que ça vous aura diverti. Grave. Et nous, ben, on vous laisse sur ça. Oui. Et on fait de gros bisous. À bientôt. Bye. Bye.